Salut à vous, bienvenue pour un nouvel épisode de Joe's Normal Adventure. Oula, faut pas que je saute. Donc on se retrouve toujours au même endroit que la dernière fois. Et je vais attendre tranquillement hors caméra que le soleil se lève pour pouvoir me balader un petit peu, trouver un coin tranquille où je pourrais faire une base, ne serait-ce qu'une petite maisonnette, voilà. Pour pouvoir continuer notre aventure tout en prenant du bon temps, on va dire, parce que voilà le but de la série, évidemment, de compléter tous les objectifs de Minecraft. Je rappelle d'ailleurs que la liste de ceux que j'ai complété ou non est dans la description de la vidéo, mais ça n'empêche pas de faire une aventure Minecraft un peu classique avec pourquoi pas la construction d'une petite maison, même d'une base, dans le sens où ce sera pas une maison, mais ce sera un lieu où je pourrais me réfugier, voilà, miner, pourquoi pas de temps en temps, enfin bref, j'essaierai de faire quelque chose de sympa. Donc c'est pour ça, je vais attendre tranquillement que le soleil se lève, et après ça, on partira trouver un endroit tranquille où construire un petit truc. Donc, tout de suite, une petite ellipse. À toutes. Donc le soleil est en train de se lever. Donc je vais faire un petit point rapidement de ce que j'ai fait hors caméra. J'ai pas fait grand chose. Alors j'ai fait une nouvelle pelle en fer, la mienne était presque morte. Une nouvelle épée en fer, je me suis fait une pioche en fer pour éviter d'user davantage ma pioche en diamant. J'ai jeté justement les quelques outils en pierre qui me restaient dans le coffre, plus mes outils en fer presque morts ici. Bon, là j'ai fait une petite dalle histoire de pas tomber et pour pas tout récupérer. C'est pour ça que j'ai des dalles dans mon inventaire. Et là je suis en train de faire fondre tout l'or que j'avais pas fait fondre. J'en avais 25 qui n'étaient pas fondus. Donc je suis en train de faire fondre tout ça. Sur ce, étant donné que le soleil vient de se lever, je vais faire une petite porte déjà pour cet endroit. Je suis pas sûr d'y revenir après avoir récupéré mes ressources. Au moins ce sera toujours mieux qu'un bloc à casser et à remettre à chaque fois. Donc voilà. Alors, maintenant que le soleil s'est levé, nous allons partir à l'exploration un petit peu. Dans des endroits où je ne suis pas déjà allé. Alors, que je réfléchisse. On va monter ici pour avoir une vue. Ouh, je t'avais pas vu toi. D'accord, j'ai fait de la merde. Je l'avais pas vu, je l'ai foncé dessus bêtement. Enfin bon, laissons tomber. Tiens, il y a un squelette là-bas. Donc, au début de l'aventure, dans l'épisode 1, je m'étais un peu baladé vers là-bas. J'étais aussi parti vers là-bas, assez loin d'ailleurs, pour récupérer je ne sais plus quoi d'ailleurs. Ah oui, j'avais récupéré du bois tout en explorant parce que j'avais envie de me balader un petit peu. Donc les seuls endroits où je ne suis pas encore allé, c'est vers là-bas. Et vers là-bas. Donc. Bon, on va se balader tranquillement. Je vais juste revenir ici. Faire F3, F2. D'ailleurs, je vais le faire là pour avoir voilà, les coordonnées sur un fond lisible. Nickel. Et je vais partir vers là-bas. Vers là-bas. Comme ça, je sais que normalement, si je reviens sur mes pieds, sur mes pas, j'aurai directement la porte de mon abri en face de moi. Ah tiens, là, il y a des citrouilles. On n'en a pas déjà, il me semble. D'ailleurs, ça se casse très bien à la main, il me semble. Ouais, ouais, c'est pas plus rapide avec, avec un item. Donc, autant les casser à la main. Je sais pas si ça me servira, les citrouilles, mais bon. Je les récupère. On ne sait jamais. Alors. La forêt continue. Là, il y a des cochons que je vais tuer. Parce que j'ai envie d'avoir plus de nourriture en stock. Hop, alors après, plus tard, il faudra que je fasse des élevages. Notamment un élevage de vaches pour avoir un achievement avec les vaches. Après, je crois qu'il n'y a pas d'achievement particulier avec les autres animaux. Non, s'il y en a avec les cochons concernant les selles aussi, mais j'ai pas de selles. Enfin,
pas trouvé de donjon. Donc ce sera pas pour tout de suite non plus. Là, il y a des poulets. Hop, je vais récupérer les plumes. Et la viande aussi. Allez. Arrête de courir. D'ailleurs, je vais utiliser ma hache. Ça m'évitera de gaspiller la durabilité de mon épée. Bon voilà, je vais pas récupérer le reste. D'ailleurs, il y en a encore là, des cochons, il y en a un petit peu partout. Donc on va juste continuer d'explorer dans cette zone. Et trouver un endroit où s'établir, ne serait-ce que temporairement. Parce qu'il y a un objectif, un achievement, qui consiste à explorer 36 biomes. En fait, pour avoir l'achievement, il faut explorer 36 biomes dans le jeu. D'ailleurs, ça risque d'être un petit peu problématique dans le sens où ben, je pourrais pas tout transporter avec moi, puisque mon inventaire n'est pas infini. Hein, donc il faudra voir avec des Ender Chests, pourquoi pas, pour pouvoir se balader tout en ayant toujours nos ressources avec nous. Là, je vais me faire une table de craft et je vais me faire un bateau pour traverser. Même deux bateaux. Deux bateaux parce que au cas où il y en a un qui se casse, j'en aurai un autre de près. Donc je vais enlever mon seau d'eau qui me sert théoriquement à rien à la surface et on va monter dans le bateau. Alors, apparemment c'est encore une forêt classique avec des chênes. Il y a de la canne à sucre mais j'en ai déjà. Remarque, ça pourrait être bien d'en prendre d'autres. Ah tiens, des poulpes. Une vache, justement j'en parlais tout à l'heure. Voilà, merci pour le bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette forêt? La canne à sucre. Il y en a plein là. Enfin, il y en a plein. Il y en a un petit peu. Apparemment, ça continue vers là-bas. Donc, on va suivre... Le continent, on va dire. On va pas continuer dans l'eau. J'entends une araignée. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle doit être sous une grotte. Dans une grotte. Sous mes pieds. Donc, par là, on va grimper tranquillement. Voilà. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Des cochons. La forêt qui continue. Ah, des moutons. Nickel. Ah, zut. J'ai oublié de me faire des cisailles. C'est vrai que j'ai pas de laine. Et donc je peux pas me faire de lisse, ce qui est un petit peu chiant pour les ellipses ou pour quand la nuit tombe. Donc c'est vrai que j'aurais dû penser à me faire des cisailles pour avoir de la laine en masse. Ok, c'est bon, j'ai 3 laines. Je vais laisser ce mouton. Ouais. Non, ça sert à rien. On est un petit peu trop loin, donc je vais le tuer. Ok, bon, c'est encore le même biome. C'est pas très très. Je m'attendais à un biome un peu mieux, on va dire, un biome de la 1.7 en tout cas. Qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Je sais pas du tout où est le soleil là d'ailleurs, parce qu'il faudrait que je pense à revenir sur mes pas. Ouais, s'il commence déjà à décliner, c'est pas bon. Hop, qu'est-ce qu'on a par là? On voit que maintenant je peux dormir puisque j'ai suffisamment de laine pour me faire un lit. Ouh, un loup. Ah, on a un chien ici, enfin un loup, donc potentiellement un chien. Il y a aussi un achievement avec les chiens justement, je crois qu'il faut en adopter 15. Au total, salut. Faut en adopter 15 au total pour remplir l'achievement. Donc faudra y penser un jour. What the fuck. D'accord, là-bas on a l'île aux moutons. Je cours porte Nawak. D'accord. Un beau bug. L'eau qui s'arrête pile avant d'entrer dans le trou. J'entends un squelette quelque part dans le coin. Il devait être dans la grotte que j'ai vue.
Donc là, ça continue un petit peu et après, c'est encore de l'océan. Donc j'ai pas du tout choisi la bonne direction en fait. Il n'y a rien d'intéressant par là. Y a rien de bien intéressant par là. Ok, non, juste encore un bug. Hop, des roses, je récupère. Au cas où. Ok, ouais, encore c'est de l'océan à perte de vue. Y a rien d'intéressant par là. Donc. Je vais revenir sur mes pas. En tuant les moutons, tiens, pourquoi pas. Ça me fera de l'XP et de la laine en plus. Alors, de la laine, de la laine. Il me semble qu'il y en a un autre qui est tombé ici, ouais, parfait. Là et là. Ok. Donc, on va utiliser le bateau pour se rendre jusqu'à là-bas. Alors celle-là, c'est pas la même île que tout à l'heure. D'ailleurs, je vais m'éloigner un tout petit peu par là. Ah. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un biome plein. Un biome plein. Non, oui. Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il faut sortir du bateau pour le casser. Voilà. Ok, on a encore une île par ici qui a pas l'air très très grande. Ouais, c'est un biome plein ça. Ça. Ah si, c'est un petit peu plus grand que ce que j'avais vu. Oh, c'est quoi ces fleurs? Oustonie. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on a de beau par là? Pendant que le soleil est en train de se coucher, on n'aurait pas un désert à côté parce qu'il y a pas mal de sable. Ça pourrait être intéressant d'avoir un biome désert pas très très loin. Apparemment non, c'est juste du sable posé comme ça. On a du lilas. Là. Du lilas là. Hop, on va aller d'ailleurs en récupérer. Ok, non, c'est bon, c'est des feuilles d'armes. J'ai cru voir deux creepers. Mais non, c'était juste des feuilles des arbres. Hop. Voilà. Ok, c'est encore de la plaine. On va continuer un petit peu par là. Même s'il fait nuit, c'est pas grave. J'ai envie de me balader un petit peu plus. En espérant qu'il n'y ait pas trop de sorcières et de squelettes qui spawnent. Ok, l'île se termine. Encore des moutons, tiens. Voilà, merci. Je vais laisser les autres en vie quand même. Qu'est-ce qu'on a par là? Encore une forêt de sapins. Est-ce que c'est une taïga? Je ne sais pas. On va aller jeter un rapide coup d'œil. Donc je remange un steak pour avoir la satiété au maximum. Enfin, apparemment au maximum, puisqu'il me manquait 2 gigots, mais bon. Ça m'évitera de manger pendant un petit peu plus longtemps. Ok, il y a un creeper là-haut. D'ailleurs, c'est chiant cette histoire de bouffe depuis la 1.7. Parce qu'en PVP, par exemple, sur OCTC, mais c'est catastrophique. À peine tu spawns. Ok, un squelette en armure en or qui a spawn devant moi. Donc, à peine tu spawns, je disais, tout de suite tu te fais. T'as ta barre de bouffe qui descend déjà, c'est catastrophique. Le problème, c'est que quand il te manque 2 gigots, tu régénères. Ah, voilà, tu ne régènes plus. Voilà. Tu ne régènes plus. J'ai cru qu'il y avait un zombie qui me poursuivait. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, c'est encore un biome sapin. D'accord, toi, tu m'attaques avec une pelle en fer en plus. On va aller en haut de la montagne. Ok, il y a un squelette. Il y a un squelette. C'est pas bon de se balader de nuit. En plus, j'ai pas beaucoup de blocs avec moi. Je crois que j'ai que 2 stacks de cobble.
Ok, j'ai totalement fail mon saut. Je crois que j'ai que deux stacks de cobble. Bon là, il y a un creeper, celui-là, je vais pas le faire exploser, parce que j'en ai marre. Ok, laisse tomber. Allez, tu dégages toi aussi. Voilà. Il n'y a que des vaches et des moutons, il n'y a rien d'autre. What? Qu'est-ce que c'est que ce mob? Ok, apparemment c'est un. Non, c'est un mouton qui a spawn directement dans l'arbre. Dans les feuilles. Donc on va redescendre par là. Pendant qu'il y a un squelette. J'ai attaqué un peu en mode kamikaze. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Des arbres, un Enderman. Un Enderman, ça pourrait être intéressant de. Qu'il y a deux squelettes là-bas. Je crois qu'il y en a un qui m'a repéré. Je suis pas sûr. Apparemment, non, il vient pas vers moi. Lui, par contre, il m'a repéré. Ok, il y en a un qui a spawn juste ici. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant, je disais, de me le faire. Coup critique. Voilà. Il ne m'a absolument rien donné. Ok, là il y a le squelette qui m'a repéré. Je crois que je me suis fait repérer par l'autre. Donc, hop. Je m'éloigne un tout petit peu par ici. Le temps de manger pour pouvoir régénérer. J'attaque ça. Et je vais aller attaquer celui-là. Voilà, il m'a donné des os et une flèche. C'est tout ce que je voulais. Donc, on va quand même retourner vers notre base. Tranquillement, mais sûrement. Il y a des mobs un petit peu partout, c'est pas trop gênant. J'ai pas vu de sorcière pour le moment. Donc ça m'arrange un petit peu. Ok, d'accord. J'ai entendu le creeper juste derrière moi, qui était sur le point d'exploser. Ok, il y a des squelettes un peu partout. D'accord. Hop. Merci pour la flèche. Hop, on va descendre comme ça par ici. Ça a l'air plutôt sympa comme zone. Ouais, c'est plutôt intéressant ici. Je prends un screenshot des coordonnées. Parce qu'en fait, j'aimerais bien construire une base, donc une maison un peu particulière, sur une. Avec la forme d'une Skyland. C'est-à-dire par exemple construire ma maison sur la montagne, puis après détruire la montagne pour faire une île flottante tout simplement. Donc, hop, on va retourner tranquillement jusqu'à chez nous. Donc c'est vers là-bas normalement. Je me rappelle plus des coordonnées, de toute façon c'est pas grave, j'ai pris un screenshot tout à l'heure. Normalement ça devrait être par là-bas. D'ailleurs, ben, je crois qu'en fait on y est. Enfin, on y est. Là, je crois que c'est la forêt de là où j'ai ma base. Il faut juste que je me rapproche un peu plus de là-bas. Et ça devrait le faire. Alors. Là, il y a des cochons. Pas mal de mobs, je vais pas m'arrêter là. J'ai pas envie de. Ok, d'accord, mon bateau s'est cassé pour une raison inconnue. J'étais à au moins deux blocs de celui-ci et de celui-là, donc bon, je vois pas trop qu'est-ce qui a cassé mon bateau. C'est pas grave. Alors. Alors.
y a des squelettes et des zombies. Je crois voir un creeper derrière cet arbre. Ok, c'est bon. Là, il y a ma table de craft, donc c'est bon. J'y suis. J'y suis, j'y suis, j'y suis. Donc, je vais continuer un petit peu par là en bateau. Hop. Là, il y a deux creepers et un squelette. Là, il y a un autre Enderman. Ça pourrait être intéressant aussi de le choper. Ok, mon bateau s'est cassé. C'est pas grave. Ok, il y a pas mal de creepers. Ah, il y a une sorcière là-bas. Il y a une sorcière. Ok, non, c'est bon. Je crois qu'il y avait un autre creeper derrière moi. Je vais attendre que celui-ci revienne un petit peu sur la berge. Voilà. Et il m'a rien drop, excepté de l'XP. C'est pas grave, ça me convient. Donc, bon, on va partir vers là-bas, justement. Je sais pas pourquoi je suis remonté sur la berge, c'est pas grave. Hop, le soleil est en train de se lever. Donc, pas mal de mobs vont cramer. Là, il y a pas mal de canne à sucre, mais j'en ai déjà suffisamment. C'est plutôt par ici. Ah, mais arrêtez de me suivre. Hop, là, je vais dans l'eau pour avoir plus de recul. Ok, il y a un creeper qui s'en mêle. Je savais que le zombie allait se prendre ma flèche. Hop, voilà. Pas mal d'XP au fond de l'eau. Tiens, les mobs ne peuvent pas descendre. Ça, c'est plutôt intéressant. Dommage, ça pourrait être intéressant justement que les mobs puissent aller sous l'eau pendant une certaine durée, tout du moins. Ça permettrait de faire des combats un peu plus épiques dans l'eau. Ok, je prends ma respiration et je redescends pour récupérer un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, de l'XP encore ici. Là, il y a de la gunpowder. Ouais. Et encore de l'XP. Ok. Donc, je continue par là-bas. Et normalement, je devrais atteindre. Putain, c'est long de nager. Je devrais atteindre ma base, enfin mon souterrain. Allez, on y est presque. Eh ben voilà, c'est pas trop tôt. Hop, hop, hop. Alors, c'est par où? Hop, là-bas il y a la montagne. Donc, normalement c'est là-bas. On passe par là, on contourne l'eau. Hop, on passe par ici. Et nous y voilà, nickel. Donc, dans cet épisode, on aura exploré. Décidément, voilà. Je vais enlever ça aussi pour pouvoir mieux me passer. Dans cet épisode, on aura exploré un peu plus une zone. J'ai trouvé un endroit intéressant. Pour pouvoir faire pourquoi pas ma base, chose qu'on fera peut-être dans le prochain épisode. Ça, je vais poser, ça, je pose. Parce que ça pourrait être intéressant, tout simplement, d'avoir un petit endroit un peu mieux organisé. Après quoi, j'essaierai vraiment de remplir certains objectifs en même temps que je construis ma maison, puisque c'est un petit peu le but de la série. Mais voilà, j'aimerais bien. Me détendre un peu plus, on va dire, dans cette série, faire des choses moins focalisées sur l'objectif principal et faire voilà quelques objectifs secondaires. Hop, voilà, deux stacks de cobble, du bois ici, c'est parfait. Donc, je vais me mettre devant la porte de ma base. Tac, la pelle à la main. Et je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, on fera des choses plus intéressantes. On s'attaquera vraiment à la construction d'une base,
Pourquoi pas un rapatriement des ressources si j'arrive à faire quelque chose de d'un peu mieux. Enfin, si j'arrive à faire une base assez concrète dans un épisode, mais je pense pas puisque ça me demandait pas mal de terraforming pour ce que je veux faire. Mais voilà. En tout cas, j'essaierai quand même de faire quelque chose de potable pour la suite de la série. Donc, sur ce, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode de Joe's Normal Adventure. L'aventure normale de Joe. Sur ce, à plus.